Bienvenue, ici War Survivor Chris Vegas qui s'adresse à tout le monde. C'est parti pour la suite de Gran Turismo 7 sur PS5. Je vais aller voir les voitures de légende. C'est parti. Et là, je viens de remarquer qu'on a une des trois voitures légendaires, la Ferrari 330 P467. Et là, elle coûte 20 millions au lieu de 9 millions. Donc, elle a beaucoup augmenté, mais c'est pas grave, on a l'argent qu'il faut. Donc là, on va pouvoir l'acheter et on va pouvoir la valider. C'est parti, on dit OK, bien sûr. Voilà, on a acheté la voiture. Ça fait notre deuxième véhicule de légende. Voilà, on a atteint le niveau 50 du niveau de collectionneur. Atelier en préparation, la catégorie ultime est désormais disponible dans l'atelier de préparation. Ah bah c'est parfait tout ça. Excellent. On a atteint le niveau ultime. C'est bien. Alors là, comme tu pourras le voir, dans les caractéristiques, en savoir plus, la Ferrari 334 est sans aucun doute l'une des voitures de course les plus magnifiques au monde. C'est aussi l'une des plus rares équipées d'un V12 central. La conception de la Ferrari a démarré en 1963. Depuis lors, elle a permis de marquer, de remporter dans nos propres courses. La série P a été optimisée tout spécialement dans le but d'affronter Ford aux 24 heures du Mans. Donc là, elle a vraiment été écrite. Elle a atteint son apogée avec la P4 en 1967. Aux 24 heures de Daytona de 1967, deux 330 P4 et une 412 P ont réussi l'exploit de finir sur le podium. Même en comptant les P3 adaptés aux caractéristiques d'une P4, seules 4 Ferrari 330 P4 ont vu le jour. Voilà, et on l'a obtenue. Et elle a coûté extrêmement cher. Donc, si tu as des questions, n'hésite pas. On a notre deuxième voiture légendaire. Si tu as des questions, n'hésite pas. Donc, je vais te montrer aussi notre première voiture légendaire dans le garage. Alors, on va changer de voiture. Là, on a la 330 P4, juste ici. Et ici, on a aussi la marque 4 Race. La marque 4 Race Kart de 1967. Donc, il nous reste encore une voiture, la Jaguar XJ13 de 1966. Et on devrait avoir le trophée. Donc, ces trois voitures légendaires ont fait partie d'un autre trophée, d'un autre Gran Turismo, qui était le trophée course de rêve à Gran Turismo 5 sur PS3. Remporter l'épreuve suprême entre une Ford Mark IV, une Ferrari 330 P4 et une Jaguar XJ13. Une fois que tu as obtenu ces trois voitures, tu devrais avoir le trophée des trois voitures légendaires. Donc si tu as des questions, n'hésite pas. Reste passionné dans ce que tu fais. Fin de la vidéo.